Salut tout le monde, c'est encore moi pour le quatrième épisode de Pokémon Saphir Alpha Challenge. Je vais vous rappeler les exceptions de type. On ne prend que des types pour les types combat, les types électriques, les types glace, les types 1, c'est et les types feu dans notre équipe. Pour notre épisode, je vais dire fait, mais je me suis trompée. Les règles, interdiction de CT, interdiction d'évoluer, interdiction de méga évoluer, interdiction de primo évoluer, interdiction de soigner ses Pokémon en plein combat, interdiction de fuir en combat sauvage, combat en mode défini, interdiction d'aller plus de 3 fois dans le centre Pokémon de la zone. Bon, on y va. Oh, bizarre. Ah bah oui, la gazette. Yes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Tu n'auras pas à me faire défoncer. Merci, tu ne me ferais pas me défoncer. Merci. Je ne vais pas me faire défoncer et je ne vais pas... Merci. Bah moi je peux leur utiliser les belles. Et en fait on a défoncé les petits, on les défoncé. Pouf, pouf. Non, je vais défoncer. Non, s'il te plaît, pas de combat. Alors, on va aller chercher la CT coupe. On n'a juste pas le droit de CT, pas au CS. CS, vous avez vu? CS, pas CT. Là, on y va. C'est la maison, coupe, coupe. Je vais parler à ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais parler à ce monsieur. Non. Erreur. Richard. Parce que je suis pas riche. Le pire, c'est que c'est vrai, je suis même pas riche. Alors, je vais vous expliquer comment détourner le piège de Roxane. On est déjà au 27 épisode. Attendez un petit instant, je vais juste aller chercher la voix tragique de Renato Twist. Et bon. J'ai été chercher la boîte magique. La boîte magique. Bon alors, on va déjouer les plans de Roxane. Je vais vous montrer comment on fait. Oui, 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 oui. Regardez, je vais vous montrer comment déjouer les plans de Roxane. On passe par là. Voilà, hop là, pour faire attention, ne pas se faire prendre, passe par là. Nous avons déjoué les plans de Roxane. On va sauvegarder, non pas Pokémon, j'ai dit sauvegarder. Oui. Allez, on y va, allez. Vous avez entendu, elle fendait l'air là. Mmh.
dur avec les exceptions. Il y a un challenge spécial. J'aime bien. Voilà un petit pistolet à eau là. La fermeté. Aïe, ton broche. Le roi de manier le poké en combat. Allez, 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 allez. Oh non. Ah bah, c'est bien. Que fermeté n'aura plus d'effet. Ah. J'ai hâte de tirer dans la boîte magique. Tout le monde a fermeté. Aïe. Oh allez, 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 allez. Bon, je sacrifie Medina. Je sacrifie le seul le deuxième Pokémon que j'ai. Le sacrifie. Pardonnez-moi, je n'ai pas ma Roxane. 7 minutes 2. Mais je sais pas encore quel Pokémon. Je vais me faire prendre dans le piège. Mais en fait, c'est facile en fait de connaître la petite stratégie en fait. Hop, 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 hop. Sauf dans l'arène de. Sauf dans une seule arène, on est obligé de toutes les affronter. C'est l'arène de Bastien, c'est le scrin. Mais plus d'autres. Non plus. Dans celle de Adrien, on est obligé d'en affronter au moins un seul. Au moins. Je refais le même coup. Il fait chaud. Elle a jeté une potion dans le vide. Là, je sens que pour le Tarino, ça va être bon. On va attaquer en premier. Clairvoyance. Ouais, on va à la place de rugissement. La vitesse baisse. Charge. Yes. On a battu Taridor. Niveau 13. Ok, super. J'ouvre la boîte magique. Allez les gens. J'ouvre la boîte magique. Je secoue la boîte.
Ouais, ton brosse, cool, merci. Allez, c'est bon, je l'ai secoué. Je tire à la bleuglette. Pop, 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 pop. Interdit de primo évoluer. Mince, alors. Mince, mince, mince. Interdit de primo évoluer. Ça va pas vraiment nous être utile. Pour primo évoluer. Pour primo évoluer, quoi, en fait. Truc que pour primo évoluer, il faut faire tenir des objets. C'est énervant, oui, c'est énervant. J'étais content, mais en fait, maintenant je suis plus content. Plus du tout, même. Après, moi, évolué, il faut déjà faire tenir un objet. La gemme bleue. Là, on est dans Saphir Alpha. Ça m'énerve. Franchement, je vous dis, ça m'énerve. J'aurais voulu papier interdit d'évoluer, comme ça on pourrait évoluer. Faudra attendre la reine de Bastien. C'est énervant. Il fait le pas dans l'écriture. Oh mais fait tout, il fait tous les scouts font des volteuses face. Tu vois mec. Bah dans notre poké. Et ben ils sont soignés. Et ben ils sont soignés. Mais oui, on a été deux fois dans son Pokémon. Oh, je déteste Darvenin. Bon, dans tes dents, boum, dans tes dents, boum, dans tes dents. C'est vraiment dur, en fait. J'aime bien un petit peu pimenté. Un ninja niveau 7 avec une place dans l'équipe égale ninja et manja. Eh, Manda! T'es où? J'avoue que j'aime bien les Manda. Avec leur petit spectre. Paouh! Ombre portée! Par contre, si le mec il tient un casque brut ou un charpédo avec peau dure, ouais! Mais il est mort. Vampirisme! En fait, toutes les attaques là, attends, ils m'ont fait 4 attaques. Chacune de leurs attaques inflige un PV. Inflige. Oh non, non, Mili, j'ai peur. Enfin, j'ai pas peur. Cher, y aller. Bon, bah, c'est sur ce magnifique charge qu'on va dire à bientôt les gens. Ok fan. Et maintenant je vous appellerai plus les gens mais les Pokéfan. Bon bah moi je vous savez quoi? Moi je vous dis et ciao.